C'est le tueur fou, venu sur le live. Comment tu vas? Et ta PS4, ça en est où? Ah, vas-y, go! Du coup, est-ce que t'as un casque micro? Attends, question que et peine de joueurs. Non. Du coup, est-ce que t'as un casque et un micro et GTA dessus? C'était la prod, je crois que tu m'avais envoyé un truc. Salut Rilouf, bienvenue sur le live. Parce qu'en fait, je viens de faire de manger Rilouf, donc voilà, je démarre live que maintenant. Pour rien de cacher, il va de me finir des petites pâtes avec du steak haché avec une petite sauce. Et voilà, du coup, j'ai démarré la console là. Bah dites-moi du coup, vu que vous êtes sur le live, si ma voix allait bien ou pas. Normalement oui, mais bon. Sait-on jamais? Ok, nickel. Merci Ryouf. Par contre, à chaque fois, j'ai mode véhicule débloqué 40 custom 4. Je l'ai à chaque fois, ça, que je démarre une session. Ça doit bug. Mais ta gueule, Ron. Non, mais la blague. Eh ben c'est cool ça mon petit Riulf. Bah que tu restes pas non mais pour le taf ouais c'est cool. C'est cool quoi. Bah si tu veux on peut se faire un petit Skype si des fois t'es dispo Riulf. Normalement, mon Skype il doit être allumé. Ouais. J'étais parti me chercher à boire. Ouais, moi je suis connecté. Ouais. Et du coup, tireur, tu m'as pas répondu.
Ouais, ça marche, Ryulf. Salut Polo, bienvenue sur le live. Non, ça, non, j'en veux pas. Déjà, on va commencer par se mettre en passif. Parce que je suis un lâche. Voilà. Mais du coup après Riouf, tu sonnes quand t'as envie, hein, pas de problème, hein. Tu sonnes, moi je suis prêt à répondre, enfin je suis prêt à répondre. Dès que tu réponds, enfin dès que t'appelles, mais je réponds. Je me suis créé. Ça veut dire quoi ça, Polo? Je me suis créé. Ah, message retiré, d'accord, ok. T'as dû te gourer, je pense, lorsque t'as voulu écrire. Merde, j'aurais dû prendre la Elegy pour les messages que j'ai à chaque fois là. Ah, j'ai un poteau qui fait un braquage. Et je vais aider mon poteau. Lui qui m'a aidé aussi. Bah qu'est-ce que tu prends là, c'est hors fou là, affole-toi. J'attends moi qu'on fasse des vidéos ensemble. Après, tireur, si tu as besoin par rapport au compte ou quoi et que tu as un souci, je peux passer mon numéro de téléphone. Tu m'appelles et je te dis ce qu'il faut faire. Si des fois tu galères. Ah, la session me paraît vachement long. Je pense qu'il y a un mec à quitter. Et du coup, Thierry, donc tu l'as pris sur quoi ta PS4? Oh la pierre qu'il fallait pas quoi. Oh la blague de merde. LAPVs, light armored personnel vehicles, came in electric with driverless capabilities. Might look into the financing options.
quarry. Merriweather have rented the place to do some tests on the insurgent LAPVs. It's a live fire test, so expect resistance once you engage. Try and hold off engaging for as long as possible, though. Your best chance of success will come if you retain control of the situation. These vehicles are fast, armored, all-terrain. Perfect for militarized police, police-sized military, and concerned civilian interests. Whether you're driving this into enemy forces in a theater of war or a crowd of protesters in downtown LS. Insurgent LAPV Mark III integrity test on my signal. And fire! Get the insurgents and get out of there. Use the mounted machine gun on one of them if you have to. I'll meet you at our safe house on North Calafia Way. Du coup les gars, je ferai un beau message à la fin parce que là il y a une mission par un live en moment. En plus je vais tirer dessus. Non il est un peu mort. Allez on recommence. Oui mais on pourra pas jouer ensemble. Alors Polo, déjà je ne suis pas sur PS3, je suis sur PS4 pour commencer. Et tireur, moi c'est sur PS4, mon tireur ok c'est bon, normalement non. Oui non mais effectivement on peut pas jouer ensemble, hein. PS3, PS4 c'est pas possible. Ah ouais c'est quoi que vous avez parlé entre temps, d'accord ok donc j'ai pas tout lu mais ok ça marche. Bah débrouillez-vous entre vous. Mais donc nous on est sur PS4 hein, donc c'est pas compatible de jouer ensemble.
Il est où l'autre là, celui qui est armé là? Non, je voulais conduire. Fais chier, bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais si déjà il fait comme ça, lui. Ah oh ouais non mais qu'est-ce qu'il a branlé l'autre? Putain. Attends poteau, j'ai déjà les deux hélicos qu'il y a là. L'enculé, il se barre! Ah, et puis on a même plus des voitures, quoi. Est-ce que je peux appeler mes cadeaux? Je pense pas. Ah, putain, j'ai pas de voiture. Ok, bon, bah voilà, tant pis, hein, les mecs, ils se démerdent. Hein. Ben voilà, mais j'ai dit que j'ai. Ah, t'es venu avec que la PS3, oui, d'accord. Oh bah c'est bien, les mecs ils feront la mission sans moi. Pourquoi il y a un instant qui roule pas là? Ah si, il roule. Je vais essayer de la rattraper, mais pourquoi il avance pas lui? Bah oui, photo, j'arrive, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète, photo, je suis là, mais. Il va où là? Dans l'autre sens, poteau, dans l'autre sens. Fais demi-tour. Vas-y, j'étais bien pour GPS là. Go! À gauche là. Oh putain les mecs comment ils conduisent.
Et je vais rentrer dedans, on sait jamais, c'est le mec qui fait nain. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pilote. Ah, je sais pas. Ah ouais, si, oui, c'est Mido, ouais. Je vais lui envoyer un message. Now get going. Let's wrap this up. Ah, mon Thierry, hello, mon petit Momo. Comment tu vas? Ça va, ça va. La forme?
Un peu fatigué de ma journée, mais ça va. Ouais, t'as fait quoi aujourd'hui? Je me suis acheté une nouvelle cigarette électronique. Et vu que je me suis acheté une nouvelle cigarette électronique, vu que j'ai décidé d'arrêter de fumer totalement la cigarette normale, bah Wow, voilà. tu m'as dit ça au mois de juillet, Ah non, tu non, lui mais là c'est dois. sérieux, là j'attaque vraiment la cigarette électronique, là Attends, je. laisse-moi finir. Tu m'as dit ça au mois de juillet ou août, je sais plus. Et je t'ai vu au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, ou fin septembre. Tu m'as dit la même et tu fumais encore. Ouais, mais là non, tu vois, là c'est fini. D'accord. Là c'est cigarette électronique et puis. Puis bah voilà, quoi. D'accord. Bon, c'est bien. Là pour l'instant, bah, on attaque la cigarette électronique. J'ai pas acheté de tabac ni de clope. Ouais. Là je vapote avec ma nouvelle cigarette électronique qui est super cool. T'as pris quoi Et comme du bon clope? produit un peu mentholé et puis fruits rouges. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, il y a quoi? Je sais plus combien de nicotine dedans. Attends, je vais te dire ça. Là, là. Parce que c'est pareil en termes de nicotine par rapport à ce que tu fumais avant, c'est équivalent ou c'est moins, c'est plus? C'est moins fort, moins fort. Moins fort? Ouais. Après moi, en grammage, j'y connais rien. Bah après, au niveau de. Bah si tu veux vraiment te mettre dans la cigarette électronique, parce que Ouais. moi j'ai écouté, tu sais, Lapinou, parce que lui il est avec une vapote. Ouais. Et du coup, j'ai écouté ses conseils, quoi prendre au niveau cigarette électronique et produits. Ouais. Et après, bah, les doses de produits, c'est toi qui vois. Si tu veux un peu de mélange, si tu veux des trucs simples. D'accord. Hein. Après, voilà quoi. Et donc là, du coup, tu as C'est commencé quand? pas. De quoi? Tu as commencé quand, du coup, là? Bah là, aujourd'hui, là, j'ai commencé ma cigarette électronique là. D'accord, ok. J'ai acheté ça cet après-midi, la cigarette électronique. J'ai pas fumé de la journée. Et là, Ouais. je vapote de temps en temps. Et puis, ça va. Allez D'accord. bien. Donc ça veut dire que quand je viens chez toi, il faudra que je fume dehors, quoi. Non. Comment ça, non? Bah Ah si. non, ah non. Et je vais pas t'en. Le frère, il fume bien à la maison, mais il faudra moins fumer, quoi. Les. Ouais, bah alors Ce attends. que tu penses, si tu vois ce que je veux dire. Oui. La Bref. clope normale, ça me dérangera pas, mais Ouais. Ouais. l'autre, on aura la fumée ailleurs, c'est ce que je veux dire. D'accord, ok. Bon. Oh, le mec, il est énervé dehors. Puis bah après, c'est pas. Il y a quand même un peu de nicotine, mais je sais même pas combien il y a de nicotine. C'est tellement écrit en tout petit que. Mais normalement, enfin ouais, normalement sur les flacons, tu dois Ah avoir non, je quoi? suis à 3. Je suis à 3 en nicotine. D'accord, ouais. Je suis à 3 et puis bah après 3, c'est 0. Donc déjà là, c'est déjà pas mal. Oui, bah oui, c'est clair. Donc on verra. C'est clair, c'est clair. Pour les fêtes, tu fais quoi, toi? Pour les fêtes, pour l'instant, j'en sais rien. Je vais bosser, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Après, Ouais. on verra. D'accord. Parce que sinon, je t'aurais invité à la maison manger des huîtres pas chères. Attends, j'ai pas tout compris. Il s'étouffe avec sa clope de merde.
J'ai dit, sinon, je t'invitais à la maison manger des huîtres pas chères. Des huîtres pas chères, qu'est-ce que tu veux dire par pas cher? Ben, gratuite, quoi. Enfin, non, enfin, je les paye. Enfin, merde, tu me fais chier. Elles C'est sont vous, pas c'est chères, quoi. gratuit ou c'est payant? C'est ça qu'il faut savoir, Momo. Bon, c'est comme mon compte Xbox One. D'accord. Voilà. Bon, bah, j'espère qu'elles sont bonnes, hein. Ah, très très Ah, bonne. Ouais, très bonne. c'est qu'ils m'envoient des messages là, ces temps-là, là. Ils vont se prendre une claque dans la gueule à m'envoyer des messages à ces temps-là, là. Ah, par contre, faut que tu retweets mon live, Riouf. De quoi? Faut que tu retweets mon live. Il faut que je retweete ton live. Ah, je viens de le recevoir en plus ton live. Ah, bah, tu vois. Ton tweet. Ah, t'en bouffes Oh, pas, par je vais te contre, on tweeter a affaire ça. à un level 4. Oh. Ah, je vais te tweeter ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors, t'as tweeté. T'as tweeté où? Ah, t'es J'ai là. tweeté de mon salon. Hop. Voilà, j'ai tweeté. J'ai retweeté ton tweet. Je l'ai pas reçu encore. Ah si, ça y est, un instant. Attends, non, c'est pas toi. Si, je suis le seul, Ouais, hein, à c'est avoir toi. tweeté. Ouais. Attends, alors j'ai reçu un message de qui? Pas moi. Moi, je prends pas de message, moi. J'ai pas le droit. Ah non, mais c'est parce que. Non, non, c'est normal. Ah tiens, hé, Oui, vas-y, dis-moi. Attends. Vas-y. j'ai appris un truc qui m'a fait rire aujourd'hui. Ah, alors, attends. J'envoie. Je rappelle et tu m'en dis ça. J'en ai pour deux Ouais, petites minutes. vas-y. Vas-y, je t'écoute. Mon chef m'a renvoyé la semaine dernière donc chez moi par rapport au boulot parce qu'il s'engueulait avec quelqu'un au téléphone. Donc j'ai compris que c'était sa femme. Et tout à l'heure, j'ai vu mon chef avec une autre femme. T'as pas tout compris. Non, j'ai pas tout compris là. La semaine dernière, mon chef Oui. m'a renvoyé Tu l'as chez moi. vu avec sa femme. Non, enfin, il m'a renvoyé chez moi parce qu'il s'engueulait avec quelqu'un au téléphone. D'accord. Donc moi, je pensais que c'était sa femme. Ok. Donc c'était bien sa femme parce que le lendemain on en a parlé. Et ce matin, j'ai surpris, enfin cet après-midi, j'ai surpris mon chef avec une autre femme. Ah merde. Bah c'était peut-être sa vraie femme. Bah non, parce que normalement la vraie je la connais. Enfin, en théorie la vraie je la connais. D'après Facebook et les photos, je la connais. Donc je sais qui c'est. Ah, ça devient compliqué, mon. Et donc je pense que demain on va se marier. Demain je pense qu'au boulot, parce qu'en fait, quand moi je suis rentré, enfin quand je suis parti du taf avec lui, merci là. Attends, 2 secondes. Voilà. Comment tout à l'heure je pars du taf, donc il me dit qu'il avait un truc à faire. Je dis ouais, bah, pas de problème, ok, à demain, 9h, comme d'hab, quoi. Et je l'ai surpris devant l'école avec une autre femme qui tenait à la hanche. Et c'était pas la femme que je connais. Et il a vu que je l'ai vu, parce que du coup, je l'ai reconnu de dos par rapport à sa tenue vestimentaire. Je me suis arrêté et il y avait ces gamins, enfin il y avait sa gamine et un autre gamin que je connais pas. Et bah, il y avait donc, on va dire, la nouvelle femme, quoi. Eh,
Ça se trouve que c'est son ex, celle qui s'est pris la tête et qu'il a une nouvelle femme. Non, parce que son ex, elle habite pas ici. Parce que ça, enfin, normalement, il m'avait dit qu'elle habitait pas ici. Et moi, enfin, sa femme que moi je connais, que j'ai vue au bureau, hein, c'est pas elle. Ouais, c'est un peu compliqué là l'histoire. Ouais, je pense que tu vas être bientôt dans la merde. Ouais, Et c'est comment dire, c'est t'es un peu dans la merde quoi. bah moi non, moi je suis pour rien. Bah si, parce que t'es au courant. Ah bah Donc t'es justement, dans la merde. bah on en C'est parlera pas pour. peut-être sûrement demain, mais enfin c'est même sûr quoi, mais parce que dès C'est compliqué là l'histoire là. Qu'il m'a vu, donc il m'a reconnu automatiquement à la voiture et puis à moi, et je me suis Ouais. arrêté. Et dès qu'il m'a vu, tout de suite direct, il a relâché la taille de la femme avec qui il était. Ça plus grave bien l'histoire. Donc Oh là, bah j'espère que tu lui en as pas parlé, mais tu fais comme si tu t'avais rien vu, Momo. non, c'est impossible parce que, en fait, si tu veux, quand moi je l'ai vu et qu'il l'a fait, je le regardais, si tu veux, et il a vu que je le regardais. Donc tous les gestes qu'il a fait, je les ai vus. Donc je peux même pas dire non, j'ai pas fait gaffe, tu vois, genre je suis arrivé comme ça. Non, non, Ouais, c'est. mais ça pue cette histoire, Momo. Ça pue, c'est horrible. C'est une histoire qui pue, ça. C'est pas possible, Momo. Non, je sais pas. Fais comme si t'avais rien vu. Tu t'en bats les couilles, mais fais le mec qui a rien vu, qui sait pas, T'as rien vu. On va dire que t'as rien vu parce que c'est pas possible. Il faut pas que tu. Non, Alors ça oui. pue la merde cette histoire, Momo. C'est un coup à te foutre dans un plan à la con et. Alors oui, je m'en bats les couilles. Mais d'un autre côté, il a très bien vu que je l'ai vu. Donc même de toute façon, ça s'est vu au regard, hein, parce que dès qu'il m'a vu, direct, il a lâché la taille, il a vu que je regardais donc au niveau de la taille. Et direct après, je l'ai fixé dans les yeux et il l'a vu. Donc il le Ouais, bah sait. tu fais de l'aveugle. Tu fais comme si t'avais rien vu, Momo, tu t'en bats les couilles. Mais ça pue, ça. Quand tu surprends ton patron avec une autre femme et que c'est pas sa femme et que tu connais sa femme. Non, ça pue, c'est une histoire qui pue, ça. Ah, tu fais comme si t'avais rien vu, Momo. Tu fais l'aveugle. Fais l'aveugle. Oh mais, je t'ai dit, enfin, je peux pas, toi. Ah, oh, si, t'as pas le choix là, Momo. Tu fais comme si t'avais rien vu, même si tu l'as vu, tu t'en bats les couilles, mais tu fais comme si. S'il te voit demain au boulot, il te dit ouais, bon, écoutez, vous m'avez surpris avec une autre. Et tu fais le mec vachement étonné, tu fais écoutez, moi je suis au courant de rien, je sais rien, j'ai rien vu, donc je veux rien savoir. Voilà ce que tu lui dis quand tu le verras s'il pose déjà une question à la con. Si commence à te faire ouais, vous m'avez vu avec. Alors tu lui dis arrêtez là tout de suite, j'ai rien vu, je veux rien savoir, et cette histoire ça pue, ça vous joue pas, ça me regarde. Ouais, alors Tu dis très clairement cash. justement, ça, j'ai pensé à faire le mec, genre, voilà, ça me regarde pas, c'est vos histoires. Mais après, enfin, ouais, je sais pas. Honnêtement, Non, enfin. non, 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 ça pue, ça, c'est l'histoire qui pue, ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de surprendre mon patron une fois, pas celui que j'ai actuellement, mais un ancien patron. Le voir en train de se faire tailler une pipe par sa secrétaire sur le bureau. Tu rentres dans le bureau, il te dit ouais, il faut que je te voie impérativement. Bah, tu te dépêches comme un gros con. Et puis l'autre,
Ah non, et puis en plus je connaissais sa femme, je connaissais ses enfants. Sa femme, imagine-toi, je faisais des courses avec sa femme, je faisais des achats avec sa femme, donc je la connaissais par cœur, sa femme. Je la connaissais de A à Z. Je connaissais même le tour de poitrine de sa femme, s'il te plaît, mon patron. Ah bah il y en a, oui, hein, c'est... Oui. Pour te dire, non mais, pour te dire, en tant qu'homo, voilà quoi, j'étais un peu son meilleur ami, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu surprends ton patron se taper sa secrétaire, et t'arrives dans le bureau et t'es là et tu vois la secrétaire sous le bureau, les pieds, et tu vois les talons aiguilles sous le bureau, tu fais « je repasserai ». C'est ça. Non mais c'est clair. Hein, c'est... Et tu pars sur autre chose à faire, à trouver dans l'entrepôt, à finir ton inventaire à la con. Et bah, je peux te dire que voilà quoi. Mais ça c'est une histoire qui pue. Surtout quand tu connais la femme du patron, t'es... Non. Après moi, j'ai... Ça c'est. Moi après c'est perso, je l'ai vu que 3 fois. Hein, mais. Ouais mais justement c'est trop. C'est trop, Momo, je te le dis tout de suite, c'est trop, ça. C'est, voilà, si ton patron, demain matin, il te dit, ouais, voilà, vous m'avez surpris avec... Non, tu fais, vous m'avez... Dès que le mot, vous m'avez surpris, tu fais, écoutez, moi, je veux rien savoir, vous m'avez rien dit. Si c'est pour parler de travail, on parle de travail, mais votre vie privée, ça me regarde pas, vous faites ce que vous voulez. Point final. Tu t'arrêtes là. Tu poses carrément une barrière, comme ça au moins ça te protège. Ouais, hein. Enfin, oui. Mais bon, voilà quoi. Parce que ça, c'est une histoire qui tue à la con. Et ça peut te faire un double jeu à la con. Et bon, tu peux peut-être t'en servir, mais c'est à tes risques et périls, quoi. Je te le dis tout de suite. M'en servir, non. Enfin, je vois pas trop l'intérêt, mais. Non, oui, mais je m'en doute. Mais c'est un exemple. Il y en a certains qui joueraient à ça avant. Ouais, enfin, oui. Mais bon, après, moi, ce que je te conseille, c'est tu fais comme si tu n'avais rien vu. Si t'en parles pas, tu en parles pas. Tu fais comme si tu n'avais rien vu et que tu passes. Le travail, c'est le travail, point final. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai même encore surpris mon patron avec sa secrétaire. Je me suis barré du bureau et j'ai pas insisté. Puis il me regarde, il m'appelle en urgence en me disant « Bon ben Hervé, il faut qu'on parle. » Je fais « Écoutez, moi ça ne me regarde pas. Votre vie privée, c'est votre vie privée. Ah, mon travail, c'est mon travail, point final. On fait du travail, on est là pour bosser. On n'est pas là. Moi, je suis pas là pour faire ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, mais moi, je suis là pour travailler. Point final. C'est ce qu'il faut, faut faire. Tu fais l'ignorant, l'innocence, t'en as rien à foutre. Et vite. Ça, c'est des trucs qui puent et... ça peut te jouer des tours. Ouais, mais bon, en tout cas, après, je les ai, enfin, moi, après, perso... Quoi, c'est un double jeu, quoi. Bon, après, j'y suis pour rien, ce jeu, mais... Mais tu y es pour rien, c'est lui qui... C'est ton patron qui a fait le con, c'est tout. C'est pas toi qui es fautif, Momo. C'est ton patron qui a fait le con, il a pas été discret. Parce que si toi, tu l'as grillé, ça se trouve que sa femme l'a-tu déjà grillé une fois. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il s'est engueulé la semaine dernière avec lui et que lui m'a renvoyé chez moi. Peut-être. Mais bon, après, voilà quoi. Mais bon, si demain il pose la question, ouais, vous savez, si vous m'avez vu avec. C'est le mot, rien que si vous m'avez. Que ça, si vous m'avez vu avec. Tu lui dis stop, vous arrêtez là, je veux rien savoir. Votre vie privée, ça me regarde pas. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Si vous voulez qu'on parle de travail, on parle de travail, mais tout le reste, ça ne me regarde pas, c'est votre problème. Moi, je veux rien savoir de ce qui se passe entre vos bésodromes ou autre, ça ne me regarde pas, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Quoi, tu lui dis pas ça, hein. Oui, non, mais sûr, moi, mais... tu lui dis pas ça. Non, mais je ferai ma sauce, t'inquiète. Hein. Mais voilà, quoi, non. Évite de évite de rentrer dans des trucs comme ça. Esquive ces trucs à la con. Moi, je suis déjà rentré dans des trucs comme ça et j'en ai pris plein la gueule par mon ancien patron. Et là, je resurprends mon nouveau patron que j'ai là actuel, encore avec une secrétaire. Je fais oh putain, ça recommence le bordel. J'ai fait aller plus jamais, fini. Et le lendemain, il m'a appelé. Il me fait ouais, écoutez.
Ce que vous avez vu. Ah non, non, ça m'en garde pas. Votre vie sexuelle, ça m'en garde pas. Votre vie de famille, ça m'en garde pas. Je connais pas votre femme, j'ai pas envie de la connaître. Moi, je suis là pour travailler, faire mon boulot, point final, on n'en parle plus. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est pour le travail. Sinon, je me casse. Point final. Après, c'est pas. Je vais être un peu. Je vais pas dire méchant, mais. Après, si demain il y a moyen. Non, évite Momo, ça c'est à tes risques et périls, c'est ce que je te disais, c'est à tes risques et périls. Non mais c'est pour ça que je te disais, c'est à tes risques et périls, Momo, c'est à double jeu, c'est à double tranchant cette connerie, Momo. C'est tu peux négocier des tas de trucs, des jours de repos, des machins, des trucs comme ça si tu veux, mais c'est à tes risques et périls, Momo. Et jouer comme ça, c'est un coup à te faire. Tu sais qu'il peut te lourder, hein. Il peut te lourder. Lui, il pourra peut-être perdre sa bonne femme. Ouais. Mais toi, tu risquerais ta place, quoi. C'est pour ça que c'est à double tranchant cette connerie. C'est ce que je te dis. C'est à double tranchant cette connerie. Et évite, évite. Fais comme si tu n'avais rien vu. Fais l'aveugle. C'est pour ça que je te dis, fais l'aveugle. Le boulot, c'est primordial. On en a besoin tous, donc fais pas le coup. C'est tout ce que j'ai à te dire, fais pas le coup. Ouais, mais avec, comme je te dis, je peux pas faire l'aveugle automatiquement. Enfin, si des fois. Alors, par contre, si lui ne m'en parle pas, moi je dirai rien. Parce que voilà, c'est sa vie. Ça, oui, voilà, ouais, voilà, truc, exactement. Voilà. Mais par contre, s'il m'en parle, il a très bien vu que mes yeux ont bien insisté sur la taille, sur lui, sur elle. Et c'est pas possible que. Si t'en parles, tu le stops, tu lui dis écoutez, ça m'en garde pas, vous faites ce que vous voulez. Oui, maintenant, voilà, si oui, je viens au bureau, c'est pour le c'est pour parler qu'on parle de travail, on en parle. Mais je suis pas au travail pour parler de votre vie privée, ça m'en garde pas, vous faites ce que vous voulez. Point final. Tu mets un frein tout de suite, tu mets un global tout de suite avec lui, comme ça au moins t'es fixé, t'es tranquille, il te fout la paix. Mais par contre, fais pas le con à lui demander des trucs, des machins, une augmentation ou promotion ou un truc comme ça. Hein. Parce que ça, c'est à double tranchant, Momo, je te le dis tout de suite. Hein. Non, mais ça, de toute façon, pas, hein. Déjà, c'est pas mon intention, mais c'est pas. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est à double tranchant, je te le dis tout de suite. Ces conneries-là, fais comme si t'avais rien vu. Si t'en parles pas, bah tu t'en bats les couilles, tu passes à l'as. Mais par contre, s'il commence à t'en parler, tu le stops tout de suite. Tu le laisses même pas terminer. Tu fais écouter, non, ça m'en garde pas. Votre vie privée m'en regarde pas. Si vous m'avez convoqué dans votre bureau, c'est pour qu'on parle de travail. Donc je vous écoute. Si vous avez rien à me dire, je retourne à ce que j'étais en train de faire. Point final. Ouais. Oui. C'est le mieux à faire. Ouais. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Ah, c'est clair, ouais, mais c'est vrai que t'as pas tort. Hein. Ah bon, on verra demain, vu que là, ça c'est pas histoire. Ouais, je croise les doigts pour toi. Mais fais comme je t'ai dit, Momo, parce que ça, c'est l'expérience. Je te le dis tout de suite, c'est l'expérience qui parle. Ok, bon. C'est l'expérience qui parle, et je peux te dire que ça pue la merde, ces trucs-là. Même si on n'a pas beaucoup d'écart entre nous, je vais écouter le vieux, entre guillemets. Voilà, exactement. Écoute le vieux, parce que franchement, je vais te dire, moi, je suis tombé là-dessus. Et le pire, c'est que je connaissais la femme et la maîtresse. Et je peux te dire que quand tu tombes sur un truc comme ça et que tu dois fermer ta gueule et que le patron, il te file tes journées, il ose même pas te donner des heures sup parce que voilà, il a peur que tu le dénonces. T'es là comme un con, tu fais écoute, moi je voudrais bosser, mec. Moi, ta vie privée, ça, je m'en bats les couilles, quoi. Mais voilà, quoi. Mais. Non, c'est. Voilà. Tu lui dis très clairement, moi je suis là pour travailler, moi je suis pas là pour. Ce qui se passe de votre vie privée, ça me regarde pas, vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas. Moi, je suis là pour bosser. Si vous avez rien à me donner, je retourne à ce que j'étais en train de faire. Point final. Mais c'est l'expérience qui parle et je peux te dire que ça pue la merde, ces trucs-là. Quand tu surprends ton patron avec une autre nana et que c'est même pas sa femme, ça tue.
Ou genre trouver une excuse à deux balles. Ouais, j'étais avec ma femme, on a été chercher les gosses à l'école. Ouais, mais ça, non, enfin, ça, à un Non, moment, mais. ils peuvent même le faire, je veux dire, c'est. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais Momo, C'est mais. impossible. Tu vois, c'est l'instinct animal, comme on dit si bien. Encore, tu C'est vois, l'instinct tu animal vois, de protection. si, admettons, il avait tenu la femme donc, par la taille, donc comme ce qu'il a fait, mais que. Il n'a pas eu de main baladeuse. Mais que sa femme était là, ça serait différent. Voilà, après, ça peut être une amie, une copine, comme moi je Ouais, fais. voilà, ça peut être une Moi, il y a des fois, amie ou sa voilà. meilleure amie ou autre, Voilà, mais. voilà. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, ma très bonne amie, que je t'ai parlé donc, ce week-end, enfin le week-end dernier, où j'étais voir un coup, voilà, c'est une très bonne amie. Je la tiens par la taille, enfin, on fait plein de choses, Oui, quoi, mais mais. c'est une amie, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais Mais bon, là, après, ça se trouve qu'il fait partie d'un club échangiste. Ah, non, mais je dis des conneries, mais ça se trouve qu'il fait partie d'un club échangiste. Et puis, ils ont rencontré des personnes, un couple, à la sortie d'école pour Ah, c'est récupérer possible, leurs hein, si tu enfants. veux. Et puis, Mary ça peut arriver, hein, Weatherspoon, des conneries comme what ça, about that? des Go back trucs to your de place, sites de get started on that rencontres thing I de know clubs nothing about. échangistes, ça Details existe, are on hein. your board. Et des fois, ils donnent, You're bored at c'est the des apartment. couples qui ont des Go. enfants et ils se donnent rendez-vous. Des fois, ou même devant l'école pour au moment où ils vont récupérer les gamins et puis c'est ils parlent entre eux et voilà quoi. C'est bah je connais pas ce milieu-là parce que Ah moi ben moi non plus, hein. je suis Enfin, pas dans le club échangiste, mais tu m'as l'air de mieux connaître que tu m'as l'air de mieux connaître que moi, mais bah, non, c'est pas une question que je m'y connais mieux que toi. C'est Ah si si non, parce que enfin c'est moi plus parce perso que je me suis informé là-dessus et D'accord. que bah on va dire que moi bah, je suis un peu comme toi, Momo, hein. J'ai connu l'accès Internet au tout début, quoi. Au Oui, tout bah début, ouais, j'ai non appris à utiliser ma toute première connexion Internet qui mettait 2 heures à se Ouais. connecter. Et Oui, encore, non, quand je dis ouais. 2 heures, je suis généreux. C'est Mais clair. puis tu mettais des heures à pouvoir te connecter sur le biais d'Internet. Et le Ouais, tout c'est clair. premier Google, s'il te plaît, le tout premier Google. Ouais. Mozilla Firefox n'existait pas à cette Et époque-là. même Google n'existait pas. Enfin, Ah si, 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 non, il y avait enfin. un genre de Google, là, Ouais, mais c'était... ouais, Ouais, E-Internet, là. mais c'était pas pareil que Explorer, maintenant. voilà, cherchais le nom. Oui, mais voilà, c'était pas pareil que maintenant, c'est. Oui, c'est vrai que c'était pas pareil que maintenant, mais tu regardes, bon, c'est vrai que maintenant, la technologie, moi, je dis, elle a évolué, au niveau informatique et Ah oui, Internet, c'est sûr, c'est elle sûr. a évolué, et moi, je dis... C'est maintenant, t'as des sites de rencontre de tout, que ça soit pour lesbiennes, pour homo, Oui, non, mais oui. pour hétéro, pour club échangiste, pour travelo, pour sadomasochiste, pour plein de trucs, quoi. Mais t'as tellement de sites à la mort le moelle neuil, parce que j'évite de dire trop de gros mots, parce que vu que tes lives, ils sont monétisés. Ah oui, ouais, t'inquiète. Ouais, parce que ça, c'est à éviter maintenant sur YouTube. Donc j'essaye de me modérer parce que vu que vous monétisez vos vidéos, je suis un peu galère là-dessus. Mais seul problème, c'est que sur Internet, tu trouves de tout. Maintenant, tu tapes recherche école petite écolière, Non, bah, tu peux arrête. tomber sur un site Oh, tu pars vachement loin là. olé-olé. Oh, tu pars loin là. Genre petite écolière M tu vois ce que je veux dire? Oui, non, Mais mais bon oui, bien sûr. c'est quand même c'est quand même grave parce que maintenant sur Internet tu fais tout, tu peux trouver tout et n'importe quoi. Ah ben je Tu sais peux même bien. en trouver des vidéos qui sont même interdites. Oui, Ça, je mais. comprends pas que les gens puissent regarder, ils vont sur un site où je sais Non pas mais comment ça s'appelle ce site. Ryulf, vu que là on est du coup sur enfin en live, on va éviter de trop parler de ça parce que bon. Bah Après non, non, t'as le droit d'en parler, hein, Momo, hein. Ouais mais bon les sites machin truc interdits Non, non, mais c'est un exemple, parce que je donne pas Ouais. le nom, parce que je m'en souviens pas. Puis de toute façon, je les aurais pas donné les noms. Mais tu sais, t'as des sites où tu peux regarder des vidéos où tu vois des gens assassiner des gens, tu vois ce que je veux Oui, dire? non, oui. Ouais. C'est pour ça que je dis, c'est un peu ouf quand même.
Tu peux trouver tout quoi sur internet maintenant. Mais pour revenir à ce que je te dis, ça se trouve que bah, il fait partie d'un club échangiste ou patron, j'en sais rien. Ah, et ils ont peut-être fait une rencontre d'un couple où leur gamin est dans la même école que leur que son gamin et que arrivé là, bah ils se sont donné rendez-vous, ils se sont envoyé les photos, machin, etc. J'en sais rien, j'imagine, je dis peut-être une connerie, hein, je sais pas, mais ça se trouve que c'est vrai, j'en sais rien. Quand tu poses la question à ton patron. Comme je te disais, enfin, si vraiment, je dirais, entre guillemets, ce serait ça, je sais pas, ça me paraît bizarre. Bah écoute, ça se trouve, tu sais, tu connais pas la vie privée de tout le monde, hein, dans un sens. Oui, bien sûr, hein, c'est clair, mais. C'est comme moi, tu connais pas ma vie privée, quand ce que je fais en dehors, après le travail, quand je rentre à la maison. Là, ça se trouve, je suis pas tout seul. Il y a 36 mecs qui m'attendent dans le Puma, j'en sais rien. C'est non. Un exemple hein, que j'ai alors, dit comme ça. Alors, mais... ça, je comprends pas parce que quand il y a que un mec, déjà, tu me dis, ah, Momo, je ferai pas sur live. Donc là, s'il y a 36, non, mais c'est un exemple que je te donne. Ouais. Mais t'as vu, je t'ai rié. Hein. Non mais ça se trouve je me fais pomper pendant... Pardon. Si je peux le dire parce que ça c'est pas vulgaire, c'est dans le dictionnaire. Ça se trouve que je me fais pomper pendant que on est en train de discuter ensemble. Tu sais, c'est un exemple à la con. Ouais. Mais Ouais mais là moi je te crois pas donc... Mais ça veut rien dire, c'est pas parce que tu me crois pas que c'est pas vrai. Tu vois, c'est un exemple que je te donne. Ouais, tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens. Et ce qu'ils peuvent faire en fait. Oui, alors d'un côté, et je veux dire que t'as raison, de l'autre côté, je veux dire que je te connais, et je sais que t'es pas comme ça. Donc je sais que ça c'est mort, et tu me mens. Mais je serais capable de le faire, ça je l'avoue, je serais capable de le faire. Ah, c'est un ouf toi. Ah, non, enfin... je serais capable de le faire, mais en respect déjà envers autrui. Bah oui, mais c'est clair. Je me dis perso, voilà quoi, je veux pas me faire pépon pendant que je suis en train de discuter avec toi et que t'es en train de faire un live. C'est ça, c'est... exactement, voilà, exactement. Belle voiture, il y en a un qui dit. Hey, salut Christine, comment tu vas? Ouais, donc, alors t'as vu, regarde, donc ça c'est ma nouvelle Osiris, Christine, que je me suis faite en fait. Bon, là, elle fait une sale gueule, mais. Bon, bon, du coup, Riulf, Christine, c'est une habituée. D'accord, alors enchanté Christine. Voilà. Je ne connaissais pas, donc moi c'est Riulf. Je suis le modo du. Le tout premier modo de la chaîne YouTube de Momo. C'est moi en plus. Ouais, non, c'est vrai. Et là, elle parle, et si ça se trouve, elle nous écoute depuis 30 minutes, tu sais. Ah, mais elle doit être morte de rire, rien qu'à m'écouter, à dire autant de conneries. Mais dans un sens, tu sais pas ce qui peut se passer dans la tête des gens, c'est un truc de ouf. Ah oui, même toi, tu vois, ça se trouve là, on te voit pas là en facecam, mais dit que t'es pas avec une gonzesse, c'est pareil. Je dis de moi, mais toi aussi, ça pourrait être la même chose. Mais je sais que tu le ferais pas, t'es comme moi, t'as un minimum de respect, et puis bon, voilà. Tu t'es pas là en train de. Ah, attends. T'as gagné beaucoup d'argent. Qu'elle dit. Tiens, Riulf, regarde le live. Je suis tout seul. Non, mais je te crois, Momo. Attends, je vais essayer de trouver le périphérique. Non, voilà, c'était la petite blague parenthèse. Alors, t'as gagné beaucoup d'argent. Bah écoute, regarde, là je suis à 972 000. Et bah ça monte un petit à petit. Hein. Donc du coup, j'ai mon Osiris. Toi. J'ai mon appartement. J'ai mes bunkers. J'ai ma Legit et aussi Full Custom. Enfin, par rapport à mon démo, hein, forcément. Et voilà. Ouais, ça va, elle fait pas trop de bruit. Vous faites ma cigarette électronique quand je l'allume? Alors là, je l'ai entendu, mais sinon, non. Ah bon? Ouais. Bon, après, je m'en fous. Ah non, parce que sinon, j'éloigne un peu le micro, c'est ça que je veux dire. Ah non, t'inquiète.
Ah, par contre, il n'y a pas grand monde dans la session. On est combien? On est... Va au bunker qu'elle dit. On Et... dit s'il te plaît, va au bunker. Christine, tu veux que j'aille faire pas au bunker? Me taper une queue ou... Ah, oh, bah bravo. Non, mais alors Christine, donc, alors non, donc j'irai pas au bunker parce que j'ai aucune mission à ce niveau-là. Par contre, je vais faire une petite mission vite fait de PDG là, parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde dans la session. Donc du coup, ah oui, je suis en passif. Oh mon frère, il est venu, bah c'est hier. Ouais. Hier soir, il est venu faire ses mises à jour. Putain de merde. Oh. Pourquoi que si, hein? Il est resté plus de 4 heures à la maison à faire ses mises à jour à la con. Non, c'est bon ça. Et du coup, il débarque quand chez toi? Je sais pas. Ah d'accord. Peut-être à la fin de l'année, j'en sais rien, je sais pas, j'en sais rien. D'accord. Je sais pas. Je sais pas du tout. C'est vrai que là. J'en sais rien du tout. Mais plus tard il vient, mieux c'est. Ah ouais, t'es comme ça toi. Ah bah écoute. Bah plus tard il vient, plus je peux recevoir à la maison, et plus je peux continuer à faire mes plans cul. Ah oui. Et le jour où il viendra, bah mes plans cul, je pourrais pas les faire tout le temps à la maison. Hein. Ah bah oui, ça après oui, c'est clair. Même si je suis chez moi et que je fais ce que je veux, en sachant qu'il y aura mon frère qui squattera, je pourrais pas recevoir tout le temps, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Ouais. Non, par contre, non, non, je pensais à un truc, mais par contre, tu pourras recevoir quand tu veux. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oh, c'est bon. Tu as acheté les véhicules, genre au... Non Christine, donc, non, j'ai pas acheté les véhicules pour la simple et bonne raison, c'est que là j'ai connu les syndicats pour m'acheter comment donc le centre de réparation mobile, comme je t'avais dit, pour dupliquer les véhicules. Et après quand j'aurai plein de sous, oui je le ferai, mais par contre sur la One, oui, sur la One j'ai tout, mais là sur PS4 non, j'ai rien. Ah, je suis trop content là. Je vais retravailler là, ça va me faire du bien là. Bah ouais, c'est clair. Ah oh, bah bon, ça va, demain je commence à 4h. Et moi c'est pareil, hein. Comment j'ai repris le boulot, franchement j'étais super content. Hein. Oh bah moi ça va me faire du bien là, je suis trop content. Ah ouais, hein. Clair, hein. Toutes les nouvelles qu'ils m'ont annoncé là en ce moment là, les médecins. Ouais bah oui, mais ouais. Ah bah je t'ai dit au fait ce que c'était la boule au fait. Oui, tu m'as dit oui. Ouais. Bah en fait c'est rien quoi. Oui, c'est un truc rien, ouais. C'est comme si que je m'étais pris un coup et que je me suis fait Ils savent même pas comment j'ai pu me choper ça, ils me posent la question, je lui fais mais j'en sais rien moi. Oui, je sais pas, ça a apparu comme ça quand je me suis levé un matin, c'est tout ce que je sais. On en a parlé la semaine dernière. Tu as fait l'émission qu'elle te pose. Quelle mission Christine? Si c'est celle du bunker, donc je l'ai fait sur la One, oui, mais pas sur la PS4. Et il n'y a aucun joueur à côté, donc c'est bon. Oh, putain, il faut que j'aille à la laverie aussi. Ah ouais? Mais attends, moi par. Est-ce que tu arrives à lever toi 10 kilos, à peu près? Pourquoi tu me poses cette question? Parce que faut que j'aille pisser. Ah d'accord, parce que tu pèses 10 kilos toi? Ah bah la queue oui, enfin moi non, mais la queue oui. Tu sais, je soulève quand même 2 fois 20 litres. Deux fois? Ah oui, ah bah oui, ah ouais, bah, c'est bah bon, oui, les là. Bidons, les bidons de pétrole, c'est 20 litres. Ouais, ouais mais bon. Et donc c'est 20 kilos. Ah, donc 20 non. kilos à chaque bras, hein. Non, ça fait 40. Non, parce que 20 litres de pétrole n'équivaut pas à 20 kilos, mon petit Riulf.
Je sais plus combien, je sais Non, même pas le combien ça pétrole est un fait, peu plus dis-le. lourd. Un peu plus? Ah oui, ah bah c'est plus lourd que l'eau, hein. Parce que 1 litre est égal à 1 kilo, mais c'est de l'eau. Ah, attention, Le c'est du pétrole est pétrole, plus hein. lourd. Le pétrole est plus lourd, hein. Le pétrole, oui, c'est ce que j'ai dit, le pétrole est plus lourd. Eh ben oui, il n'y a que 20 litres. Et ben donc tu dois avoir peut-être 25, 26, je sais pas, mais Faudrait que je regarde sur le bidon combien ça pèse en fait Attends, maintenant. je vais pisser, j'arrive. Vas-y. Et je tiens plus. Essaye de passer en session mauvais joueur en explosant les véhicules des joueurs. Mais pourquoi? C'est pas bien de faire ça. Bon, si vous savez pas qui c'est Riulf, c'est moi. Je fais même un petit coucou sur le live. Et mon petit Momo, si tu m'entends, franchement, Christine, elle est méchante. Elle veut que tu exploses les véhicules des joueurs. Je suis pas sûr qu'il m'entend. Alors, ça raconte quoi là sur le live? Qui c'est qui est sur PS4 là? Ah bon, Thierry Wolf, je suis là. Alors si, donc alors du coup, donc j'ai entendu Christine. Je veux que tu exploses des véhicules des joueurs. Alors non, Christine, je ne passerai pas en session mauvais joueur. J'ai déjà fait sur la One et sur la Xbox 360. Et je ne passerai pas du coup en Et ça mauvais fait joueur. quoi exactement si tu passes en mode mauvais joueur? Alors en fait, si tu veux, c'est que à force d'exploser trop de véhicules des joueurs, donc après tu Ouais. es dans des sessions avec que des mauvais joueurs. Parce que si tu pètes les véhicules des personnes, c'est-à-dire que tu es un mauvais joueur. D'accord. Et du coup, tu te retrouves avec des mecs que comme ça. Et je pense que elle, Christine, elle a dû regarder une vidéo de La Salle, Ouais. qui lui, justement, part en mauvais joueur exprès. D'accord, juste pour faire ça quoi en fait. C'est ça, voilà. Mais Et du c'est coup, nul. après, bah, voilà, c'est pareil, t'as un bonnet d'âne, et après c'est pareil, tout ce qui est activité, tu peux rien rejoindre, quoi. Bah c'est couillon. Ah, elle a marqué, oui, c'est vrai. Oh là, Nightboot. Ah oui, t'as Oula, écrit. qu'est-ce qu'il a fait, ouais? Non, mais elle a écrit en majuscule. Donc, Christine, n'écris pas en Tu vas faire majuscule. une course, oui. Et elle a marqué en majuscule, c'est vrai. Ah, Ouais. Naibout, il a été méchant Ouais. avec toi. Ouais. Donc là, Bon, c'est ça pas lui, va, 5 secondes. c'est Nightboot, mais du coup, donc pour finir, donc non, je partirai pas en mauvais joueur. À moins Je qu'on peux fasse pas trop vraiment. parler, mais je suis en game. Ouais, c'est Polo, ouais, j'ai vu. Ouais. Donc non, je partirai pas en mauvais joueur, sauf si vraiment on se fait une session avec plusieurs potes et qu'on part tous ensemble en mauvais joueur. Là, peut-être que je le ferai, mais sinon, là, non, je le ferai pas. Et donc, en fait, du coup, tu me confirmes que tu as vu la vidéo de La Salle. C'est ridicule. Mais quand t'as le bonnet d'âne, ça dure combien de temps, ça, le... Alors, la première fois, c'est 48 heures.
Donc Ouais. dans la vraie vie, hein. Après c'est 72 heures, après c'est une semaine, après c'est 15 jours, après c'est un mois, et passé un mois, t'es exclu définitivement du live. Ah merde! Oh, c'est nul! Bah, après le but c'est pas de péter le maximum de voitures, hein. Parce que c'est même pas au ratio de joueurs que tu tues, c'est par rapport au véhicule que tu détruis en fait. Alors pourquoi ils ont mis le mode mauvais joueur alors? Parce que t'as des mecs qui aiment bien péter les voitures des autres joueurs, quoi. C'est nul. Ouais, mais Bah du coup, s'ils font des challenges, parce que c'est un challenge. ouais, plus ou moins, mais c'est pas vraiment un challenge, quoi. C'est un challenge à faire dans le jeu, on est bien d'accord. Tu peux le faire une fois, mais bon, après, tu es qu'avec des mecs qui aiment que. Enfin, en gros, les mecs, ils prennent GTA pour du Call of. Et donc, du Wow, si coup. c'est ça vaut pas le coup, quoi. Voilà, et du coup, le problème, c'est un peu ça, c'est que. C'est qu'après, tous les mecs, mais, ils se tirent la bourre dans les sessions pour rien, quoi. Ça sert à rien, quoi. Ouais, en fait, c'est des gens qui n'ont rien à cirer, que en fait, ils vont se faire piler le jeu, quoi, parce qu'ils vont être obligés de racheter le jeu, quoi. Ah bah après ouais, il faudra que le mec il s'en recrée un compte, qu'il s'en repaye un live, si admettons le mec il était level 400, j'ai une connerie, mais admettons il était level 400, il repart à zéro quoi. Oh, moi je pourrais pas, moi. Moi non plus, enfin c'est pour ça que je le fais pas. Hein. Après si vraiment on se fait un délire entre potes, et qu'on est plusieurs, voilà, on se met bonnet d'âne, voilà, ça va durer 48 heures. C'est pas méchant. Mais là, Ouais, encore, ouais, une fois, mais pas Ouais, mais tout le temps là, qu'il faut. je vais pas le faire à la demande de copine, quoi. Bah, si tu le fais, c'est en groupe, quoi. Oui, non, bah oui, carrément. Ouais. But, c'est en groupe de le faire, c'est plus drôle déjà, et puis voilà quoi. Il reste combien de temps là? Une 10. Tu as raison une fois mais pas deux fois. Eh ben voilà Christine, tu vois, tu reviens à la raison. C'est bien. Mais Christine, là, la PS4? Non, je crois pas. Et j'avais déjà demandé mais à quoi jouer, mais j'ai jamais eu de réponse. Donc peut-être que ce soir il y aura une réponse. Hein. Christine, as-tu la PS4? Joues-tu à GTA? Ouais, oh bah je pense que oui. Elle doit jouer à GTA, fort possible. Donc Christine, es-tu là? Dis-nous, qu'on le sache. Et Christine, c'est ton nom ou c'est un pseudo que tu t'es donné comme la voiture? Va voir sur la page, Léo. Moi j'ai la PS3. Mais toi on sait que t'as la PS3. Mais nous on veut savoir si Oui, Polo, Christine. oui, mais toi on sait avec la PS3, ouais, mais. On sait que Et t'as pas j'ai pas d'argent pour acheter une GTA par PS4. contre. Il a pas GTA. Ça c'est ballot. Oh, j'ai vu le nouveau mode qui allait sortir sur Sony. Oh là 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 là. De quoi? La nouvelle console qui va sortir bientôt. Hey, t'as entendu qu'aujourd'hui la PS4, la PS4, la Xbox One S, donc là, alors ce qu'ils disent, hein, que la plus puissante au monde de Microsoft est sortie aujourd'hui. Oui? J'ai entendu ça ce matin. Oui, elle est sortie Aujourd'hui. bah, Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ouais. ce matin dans toutes les boutiques, ils les ont reçues. Ouais. Moi, je n'ai pas GTA 5. Non, mais est-ce que tu as la PS4, Christine? Voilà, on va déjà commencer par là. Ok. Bah, ok.
Si tu veux qu'on me dise ok. Ah, le plus fort dans la session? Ah ouais, y a pas grand monde. Il y en a un qui est chez lui et l'autre il est où? Et là-bas. Alors, PS3, PS2, Xbox 360. Merci Christine. Donc tu n'as pas la PS4. Bah non. Le mec qui lit bien, tu sais, au cas où. Non, pas alors, pas la PS3, je me suis trompé. Ah, Donc tu elle a la déconnes? PS2, Ah, Xbox Christine, ah, tu m'as 360. fait faire un accident, tu vois, je regarde la live, tu m'as fait un accident. C'est dommage, parce que sinon j'allais te proposer un truc. Elle est comme moi, elle a la PS2. Ouais, super, la PS. Ah quoi? Ah, critique pas, s'il te plaît, la PS2, elle est trop bien. Ouais, ça se voit, ouais. Bah oui, elle est bien. Vas-y, dis-moi le contraire. Quand à l'époque elle était sortie, elle était pas bien. Non mais à l'époque, mais maintenant tu sais, on est en 2017 et plutôt 2018, hein, même si... Oui, je suis d'accord, mais franchement, la PS2. En plus, c'est la slim que j'ai, la toute petite là, la fine. Oui, bah là, Steam, ouais. Eh ben, je peux te dire qu'elle est trop bien, je l'ai, elle fonctionne. Et pour regarder des DVD, il n'y a rien de tel. Non mais alors, tu sais que maintenant on est au numérique et que le DVD ça sert plus à rien. T'es au Alors, courant de qu'est-ce ça que quand j'ai même? comme jeu? Comment ça, le DVD, il sert à rien? Si, ça sert. Mais non, tu rigoles toi. C'est un support amovible. C'est pas un support amovible, toi. Bien Qu'est-ce sûr que vous que faites? si le DVD c'est un support amovible. Oh, hey, t'es né où toi? T'es sûr qu'on est de. T'es sûr qu'on est de la même génération? Ah non, on n'est pas de la même génération. Je te rappelle que je suis plus vieux que toi, mon roi. Ouais, à 3 ans près, fous-toi de ma gueule. Petit con, bah. Oh, sorry, Moi, j'ai pendant que t'étais encore dans les couilles à ton père, moi, je jouais déjà à Minecraft. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Oh putain, t'es con. Je te jure. J'avais mon tout premier PC en plus. C'était quoi mon tout premier PC? C'était un Windows. Moi, j'en avais tous 3 points. Windows 98, je crois bien. On fait une 800 français. Hey, salut Spawn! Bienvenue à toi, bienvenue sur le live. On fait nos vies sans force, hein? Sans forcer. Ouais, pourquoi pas? Non, bah, et du coup, Spawn, fais pas trop attention à ce qu'on dit, parce que là, avec Riulf, on est parti dans plusieurs délires, donc Ouais, moi je perds dans tout et dans rien. Ouais. si on dit un peu de la merde sur le live, c'est normal, hein, t'inquiète. Hein. Même moi, je fais de la merde d'ailleurs. Oh, il y a un joueur là! Vas-y, bon, collante. Être dans un clan, c'est trop frais. D'accord. Alors, elle m'a demandé ce que j'avais comme jeu. Bah, j'ai pas grand-chose comme jeu en fait. Parce que j'ai racheté des jeux parce que j'en avais revendu. J'avais tout revendu, mais j'avais gardé la console. J'ai. Oh merde, comment ça s'appelle là? Le truc. Le mec là, Kratos. Voilà. C'est quoi ça? Kratos? C'est un truc antique. Je connais pas. C'est un peu époque bah, Moyen Âge, mais où il y a où il y a Poséidon, Zeus, Génique for Speed, Monster. Boss Wanted, non? Carpon, je connais pas. Boss Wanted. Mais si, c'est ça, c'est putain. Tu fais un accident, ouais, c'est Boss Wanted. Et Carbone, d'accord, ok. Et beaucoup d'autres. D'accord, ok. Bah, moi, je. Non, moi, je suis plus Kratos. Moi, j'étais plutôt mythologie grecque, moi. Bah, Kratos, ils l'ont sorti sur la PS3, si je me rappelle bien.
Le dernier tome, je crois bien qu'ils ont sorti. C'était contre les... J'arrive, Socrate. Les gobelins, je crois bien. Parce qu'il y a eu la bataille des... du dieu de la guerre, ça c'est le tout premier tome. Après le deuxième tome, c'était le combat des dieux. Ah non, le troisième, c'était le titan. Exact. Alors, je crois qu'il a FK lui. L'écouteur est là-haut, il bouge pas Bon, je dois pareil. partir, ciao. Bah, salut, puis merci d'être passé. Des bisous. Salut Spawn, merci d'être venu. Need for Speed Carbon, c'était trop bien ça. Oh, moi Ah j'avais bah. tuné ma caisse à donf. À l'époque, ouais, Oh. c'était vachement Ouais, terrible. c'est vrai qu'il était bien. J'aurais dû garder quand même ce côté un peu, tu vois, où on pouvait. Parce que l'avantage avec Need for Speed Carbon, on pouvait voyager dans la petite map, tu sais, dans la petite Oui, carte, un peu ouais, comme dans exact, GTA, ouais, t'as où on raison, pouvait ouais. pas descendre du véhicule, mais on pouvait naviguer dans la petite carte qu'il nous avait laissée. Au moins, c'était bien, ça. Et l'avantage, assis avec mon frère, parce que mon frère aussi, il avait eu la console, mais lui, il la revend, je sais même pas ce qu'il en a fait. Je suis le seul à avoir gardé la console. Mais on avait un jeu, c'était un jeu de stratégie, puis on se faisait des combats. Fighter? Non, non, pas du tout. Non? Non, un jeu de stratégie. C'est pas Street Ah. Fighter, hein. Street Fighter, c'est un jeu de combat-combat. C'est pas un jeu de Si, stratégie-combat. au début de Fighter, t'avais un truc comme ça, non? Ou je me Non, cours j'ai alors? jamais fait un truc comme ça sur Street Fighter. Ah, je me cours alors. J'ai 17 ans. Qui a 17 ans? Ah, c'est Christine. Sine, d'accord. D'accord. Ah bah, tu réponds enfin à la question que je t'ai posée il y a 6 mois, c'est bien. Faut que je sois, il faut qu'il y ait un homo avec toi pour qu'elle puisse délier la langue. N'aie Faut le pas peur, faire, hein, mon Christine. petit homo. Christine, n'aie pas peur, hein, je fais pas dans les mineurs, hein, t'inquiète pas. Hein. Par contre, après, si tu veux. Bon. Quand tu. Bah, elle est majeure sexuelle, hein, tu peux, hein. Non, 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 non. Non, mais moi, j'ai des principes aussi, donc non. Non, non. Non, non, j'ai des principes et non. À la boîte, très mignonne, très charmante. Bon, je la connais pas, enfin, j'ai jamais vu de photo, mais. Elle peut être très mignonne, très charmante. Non, non, moi, j'ai des principes et. Et non. Par contre, après, si on joue ensemble et voilà, qu'elle a des problèmes, si elle veut que je passe pour son grand frère, ça me dérange pas, mais. Mais après, non, non, c'est. Et je mange pas de ce pain-là, moi. Après, chacun est comme il est, hein. Ben du coup en fait Christine tu prends le compte à ta mère? Attends, je n'avais pas compté, je suis allé compter, j'ai 21. Tu Non crois mais plus. hé hey, Christine, hé hey, oh, essaye pas de nous la faire à l'envers. Ouais. C'est à 17 ans, avoue-la, avoue-le. Voilà, ou sinon t'as vraiment 21 et là effectivement je pourrais éventuellement te mettre une cartouche. Mais à 17 ans non. Ah putain. Avoue ton vrai âge, Vilaine. Oh la Vilaine. Ouais non, alors Christine, tu sauras qu'avec moi je préfère plus les gens Ah non, sages. j'ai 17 jeux, d'accord, ok. Ah, ok, j'ai. Attends, Voilà. attends, je m'arrête, je lis, parce qu'attends, c'est du coup je suis en train de produire. Attends, je n'avais J'ai pas compté, 17 je jeux suis et allé compter, j'ai. j'ai 21 jeux, d'accord. C'est pas son âge qu'elle nous donne.
C'est les jeux, le nombre de jeux qu'elle a. Ah! D'accord. Ah bah attends, je touche pas. Ah ouais, 17. Ah oui, j'ai 21. D'accord, ok, d'accord. Parce qu'en fait, elle a dû recompter ses jeux, donc elle a recompté, et quand elle a recompté, elle a vu qu'elle en avait 21 jeux en fait. Et qu'elle a... Je viens de comprendre son message. Oh là là! Yon! Sur le PC, 5 jeux? Bah, je t'ai battu alors. Sur le PC, j'ai alors, j'ai Minecraft. J'ai les Sims, la collection complète. Les Sims 4, la collection complète. J'ai sport. J'ai crossfoot. Qu'est-ce que j'ai comme jeu encore? Bah, je vais avoir Garry's Mod, Synoptica bientôt. Ça, c'est quand j'aurai mon nouveau PC. Et Ark, non, je vais le virer en fait, Ark. Je vais pas le mettre Ah ouais? dans mon truc. Ouais, parce qu'en fait, plus je regarde et plus... En fait, c'est trop long, Ark. C'est beaucoup trop long. Pourquoi? C'est... Si tu veux jouer en coop, c'est extrêmement long, en fait. Il faut fermer, c'est trop long en fait, c'est beaucoup trop long en fait. Mais à quel niveau? Ah, mais donc, il y a cette mission, ça y est. Bah putain, il va être temps. Oh, ma cigarette! Ah, trop tard. Bon, ça fait déjà une demi-heure qu'elle est éteinte. J'ai Need for Speed Europe truc. Christine, on s'en fout de ce que t'as en jeu devant ton âge. Christine, je veux ton âge! Family Simulator 15, je connaissais pas. Quoi, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. De quoi non? Ah, tu veux pas me donner ton âge? J'arrive pas à télécharger Epic sur Game. Epic Games. Oh, moi, je vais sur un autre site pour télécharger des jeux. Christine, je veux ton âge. Donne-nous ton âge, Christine. Voyons voir. Oh, le nombre de jeux qu'elle a sur PC et le nombre de jeux qu'elle a sur console. Alors déjà... Allez, majeur. Ouais, je dirais 18. Non, moi j'en voudrais plus quand même. Je sais pas. J'ai réessayé. Bah après je sais pas, sinon je pourrais te filer un autre site, mais après il y a pour choper des sites sur internet, il y en a qu'un, il y en a qu'un que je connais qui est bien sur PC, il y en a qu'un. Attends, attends. Bah, si tu veux, tu balances ton live, mais après tu l'enlèves. Ah non non mais je veux pas le dire sur le live. Non mais tu peux, non mais là tu peux mettre le lien sur le live et après tu Oui, balances. je vais le supprime. Oui, Oui. t'inquiète, je vais Pas 18. Ouais mais pas 18 ça veut dire quoi? Ça veut dire plus, ça veut dire moins, ça veut dire quoi? Elle a pas 18. Ah c'est cette mission là. Au 19 alors. Si t'as pas 18, t'as ou 19 ou 17 ans. Ah ouais, non, mais attends, cette émission, elle pue à chaque fois. On se parle pas, c'est Elle mort. fait ah 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 ah! C'est que tu seras coquine en plus! la coquinette Ah tiens, je vais me servir un verre d'orange. sur quoi elle va elle a dit attends attends
Je n'arrive pas à télécharger sur. Ben, moi, je te conseille ça comme site. C'est très bien, 100% légal. Bon, par contre, des fois, les promos, des fois, il faut attendre entre 4 à 5 mois, ou des fois, période de Noël, ou période fériée, des fois, tu tombes sur des trucs assez. J'envoie même pas le lien, j'envoie juste le nom. Comme ça, il n'y aura pas besoin de le supprimer. Et elle fait mystère. Oh, tu m'entends là, Youf? On va peut-être jouer en coop, qu'elle dit. Youf, tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends, un peu loin, mais je t'entends. Ah ouais, attends, je me fais une top, j'arrive. Ouais, bah vas-y. Voilà. C'est un site que je te conseille d'aller et c'est 100% légal et il est toute langue et c'est la plupart où il y a tous les gamers qui et la plupart des youtubeurs qui va chercher leur jeu là-dedans. Et des fois tu peux choper des jeux en promo pas trop cher. C'est bon, je suis là. Alors attends, donc la marque va peut-être jouer en coop. C'est quoi ça, jouer en coop? C'est pas tout le temps gratuit, il y a certains jeux qui sont gratuits, mais ils sont pas top les jeux qui sont gratos. Quoique pas tous, hein. Tous les jeux ils sont pas tous ceux qui sont gratuits, ils sont pas. Oh si, il y a quelques jeux qui sont gratuits qui sont assez sympas. Bah il y a des jeux qui sont gratuits dedans, ouais, tu peux en choper, mais il y en a pas. Il n'y a pas des jeux. Il y en a quelques-uns, mais pas tous top. Sur Epic Games, c'est gratuit. Bah ouais, mais sur ce site-là, tu payes le jeu, mais il t'appartient. Donc ça veut dire que le jour où tu t'achètes un ordinateur, tu as juste à te connecter sur le site et tu peux récupérer le jeu sans être obligé de le racheter. Ouais, mais Riulf, vu qu'on ne connaît pas son âge, peut-être qu'elle ne sait pas, et il y a peut-être d'autres solutions. Bah sur Epic Game, si elle connaît Epic Game, non mais Epic Game, c'est que des jeux gratos en fait. Tu peux trouver que des jeux gratos. Mais la plupart, je crois bien, c'est des vieux jeux en plus sur Epic Game. Non, tu payes pas. Non mais sur le jeu que je te parle, sur le site que je te parle, moi, t'as des jeux où tu peux les avoir gratos, mais tu peux tomber sur des jeux qui sont bien comme des jeux qui sont pas bien. Et tu peux acheter sur le site que je te parle, tu peux acheter les jeux et ils t'appartiennent. Et le jour où tu t'achètes un PC, c'est ce que je te disais. Tu peux. Bon, t'as pas le CD, mais tu peux récupérer le jeu que tu as acheté sur le site. Parce que ça t'oblige à ouvrir un compte, en fait, chez eux. C'est un peu comme Origine. C'est la même cochonnerie qu'Origine. J'estime. Quoi, Steam? Yo, poto. Salut, Yo à Matt. toi. Bienvenue sur le live. Oui, c'est ça, Christine. Bienvenue chez les fous, les messieurs en blouse blanche pour venir te chercher. Fais pas ça, on perd des abonnés, Momo. Mais non, t'inquiète. Je suis sûr que Matt, il va s'abonner. À chaque fois, tu nous les fais fuir quand tu dis ça. Mais non, c'est drôle. Rappelle-toi!
Ouais, je me rappelle le jour où t'avais fait ça sur un de tes lives. Ah, le mec, il est arrivé, il a fait salut. Bon, bah, au revoir, je vous laisse. Mais après, Il le mec. s'était barré, il avait eu peur, le gars. Ouais, mais. Ouais, non, mais voilà. Après, on est en ambiance bon enfant, quoi. Le mec, il veut rester, il reste. Celui qui veut pas rester, il reste pas. Hein. Moi, je Ouais, pense. casse-toi, fais pas chier. C'est 59,99. D'accord. Ouais, enfin, bon, quand même, Attends, tous quoi. les jeux ne sont pas à 59,99, hein. Christine. Je finis ta phrase. Christine. Je finis ta phrase, je vous ai du mal. Oui, non. Non, mais y a certains jeux, ils sont pas tous au même prix. C'est pour ça que je te dis, des fois, tu as des promos. Et quand tu as les promos, des fois, tu peux tomber sur des jeux. Bah, tu vois, le jeu que tu me dis à 59,99, des fois, bah, tu peux avoir une promo dessus, et puis bah, il peut coûter moins cher, il peut te coûter environ 30 ou 20 balles. Et ça, il y a partout, hein, parce que moi, quand j'ai pris GTA V donc, chez Micromania, j'ai Ouais. payé donc le 9 au prix de l'occasion. Et en Oui, bah oui. plus, j'avais un code, et j'avais, je crois que c'était 1 250 000, donc dollars GTA, que j'ai pu avoir, quoi. Ah ouais, mais Ark, oublie. Oublie. Pour l'instant, il n'y aura pas la promo vu qu'il y a les nouvelles mises à jour qui arrivent là et puis les nouveaux add-ons, oublie. Ouais, non, mais il est pas prêt de baisser Ark, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Si tu veux t'acheter Ark, j'espère que tu as un bon PC, une bonne carte vidéo, parce que Pas il est cambriolé. très 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 gourmand. Yo poto, on t'a répondu, salut à toi. Ouais, oui, mais attends, t'as répondu, ouais, salut à toi. Je t'ai même dit, bienvenue chez les fous et les messieurs en blouse blanche vont venir te chercher. Je pense que si tu mets un troisième yo poto, tu vas te prendre 300 secondes. Ouais. Donc alors celui qui est arrivé donc c'est Ryulf, hein, c'est mon modérateur et il est open sur la chaîne donc il fait ce qu'il veut. Alors Christine qui fait, je sais. Ah désolé j'avais pas entendu. Désolé, j'avais pas entendu. Pas de problème Bon Matt, pas voilà. de problème. Voilà. Mais si Bon, tu veux maintenant t'as pas. entendu. Tu Voilà. sais que voilà, tu risques de te faire punir si tu es pas sage. Voilà. Donc alors. Pour être clair, celui qui dit tu vas te punir si t'es pas sage, donc c'est Ryouf qui est un de mes plus grands modérateurs qui me suit donc sur ma chaîne Depuis le et qui lui début. ne fait aucun cadeau. Donc si tu veux Ah jouer non. au con, Regarde, il va te faire même un petit coucou. tu peux mais tu risques de mal finir. C'est à tes risques et périls. C'est ça. Tu as acheté Minecraft? Ouais, sur le site officiel par contre. Oh, Sur le site il fait sa officiel, je l'ai pub! acheté, Oh, il fait sa Christine. pub! De quoi? Là, tu fais ta Bah. pub, je l'ai acheté sur site officiel. Bah non, non, c'est vrai, je fais pas ma pub. Ah, allez. Elle parle d'un jeu. J'ai pas dit le nom. J'ai pas fait la pub du jeu, du site. Quoique tu pourrais faire la pub, hein, ça te ferait gagner du bonus. Hein, mais... J'y joue pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse une pub sans ce que je joue pas? Et tu t'en fous, ça te fait des bonus, c'est de la publicité que tu gagnes. Ouais, bah vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y, fais la pub. Ah bah non, c'est pas mon. C'est pas mon. Eh merde, putain, c'est quoi ce truc de merde? Par contre, alors j'ai juste vu Riulf, abonne-toi, à mon avis, je pense que toi tu vas te faire ban. J'ai pas vu la suite parce que je suis en train de jouer, mais. C'est juste un avertissement. J'ai juste supprimé son message. Pas de pub. Interdit les pubs. C'est quoi cette course de merde encore? Ouais, c'est vrai qu'il est bien comme jeu. En plus, si tu l'achètes sur PC, tous les. Alors, je te filerai un site où tu peux jouer en modé. Oh, il y a qui vend sa cam, quoi.
n'y crois pas. Mais je vends pas ma cam. Arrête. Je propose en plus un truc où elle pourra jouer en modé et en plus c'est gratuit. Bah oui, sur PC c'est payant. Sur console, je veux dire, sur Xbox et sur il doit exister sur PS4 le jeu, je pense. Ah, je sais pas. Faut regarder, mais. Ouais, il faudra regarder. Et vous, c'est payant. Pour nous, sur tous les joueurs sur PC, c'est gratos. Tous les modes, hein, je parle. Tout ce qui est mode et tout ça, bah nous, pour nous, c'est gratos. Et on a des sites où on peut jouer à des modes pack complets. Ouais, ce que tu m'as montré l'autre fois. Ouais. D'accord, ouais. Des constructions qu'on peut faire de ouf. Oui, ah ouais. Putain, j'ai gardé mon mode fond d'écran Halloween sur mon ordinateur. Ouais. Faudrait peut-être que je change. J'y pense jamais en plus à le changer. Bon, tu peux. Hein, bah oui, hein. Pour la période Halloween, j'ai fait. J'ai mon truc Halloween, j'ai mon truc à Noël, j'ai mon truc d'été. Non, je savais pas. Bah, sur mon ordinateur, en fond d'écran, j'ai mes périodes. Quand c'est la période d'Halloween, bah, je mets mon truc d'Halloween. Quand c'est la période bientôt Noël, bah, je vais mettre. Bah tiens, je vais peut-être mettre mon mode Noël là, qui va se préparer là. Ah, t'es comme ça, toi. Bah ouais, ouais. Bah. Le mois de décembre, c'est à la fin du mois, Momo, hein. Ça va vite, hein. À la fin du mois, attends, on est qu'en novembre encore. Bah, novembre, décembre, hein. Oui, mais on est quand même pas à Noël, quoi. Abuse non, pas, mais ce quoi. Que je veux dire, que le mois de décembre, on y est, hein. On dirait un recruteur, tu sais, chez Carrefour pour faire la promo des jouets de Noël, quoi. Je vais télécharger un jeu. Un jeu Steam maintenant. Bah écoute, fais ce que tu veux, Christine. Tu es grande, hein, tu as plus de temps. Enfin, si des fois, c'est vrai. Ouais, ou pas. Si tu es ma soeur. Si tu es ma soeur. Si tu es ma soeur. Non, c'est quoi ce truc de merde? Oh, un coup de bol! Non, pas coup de bol. Eh non, dommage, raté. Qu'est-ce que je vais mettre? Mais j'écoute. Oui, bah vas-y, écoute, hein, Christina, pas de problème. Après, voilà, nous, on dit. Enfin, je pense que tu me connais depuis le temps que tu viens de faire ma live, mais on dit après beaucoup de conneries. Surtout quand moi je suis avec Ryu, enfin, on parle de tout et de rien, donc c'est vrai que. Ah bah surtout avec moi on parle de tout et de rien. On peut dire beaucoup de conneries, autant qu'après il y a des fois voilà on peut parler sérieusement. Non, c'est pas tout le temps que des conneries Momo, t'exagères. C'est ce que je viens de dire, il y a des fois on dit beaucoup de conneries, mais il y a des fois on parle sérieusement. C'est en ce moment c'est des conneries mais c'est sérieux. C'est des conneries sérieuses. Ouais tu parles. Là comment tu vends ton truc toi? C'est des conneries, c'est sérieux. Bah non, c'est vrai, c'est des conneries sérieuses. Par contre, t'as vu sa course, elle est mal faite. Mais non, putain, c'est quoi la blague de merde? J'aurais dû reculer. Allez, on recommence de là, vas-y, nique sa grand-mère. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, sa grand-mère? Non, rien. Non, mais elle a le bug que j'ai, quoi. Non, mais. C'est à la pauvre grand-mère. Et je vais finir un dernier avec ces conneries, là. Thème. Je veux des thèmes.
ADT. Eh oui, il est fini lui, putain, je m'en doutais de ça là. C'est quoi sa course de merde, mal faite? Fallait pas prendre l'Osiris. Dépêche-toi, reste deux secondes là! Ah putain, non placé. Ok, bon, du coup, je vais relancer la liste avec plus de joueurs. Putain, ils sont. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ils m'ont fait n'importe quoi là, je te jure. De quoi? Oh, merci Windows. Ils ont tout changé les paramètres depuis la dernière mise à jour là que j'ai faite là, ils sont relous. Maintenant, pour trouver les thèmes, c'est galère. Pour aller chercher de nouveaux thèmes. Oui, Christine, j'ai vu au bunker si tu me donnes ton âge. En plus, elle te demande ça gentiment. Bah oui, c'est pour ça que je lui réponds gentiment que si elle me donne son âge, je vais au bunker. Regarde, là, je suis dans la voiture. Regarde, je te montre, voilà. Il n'y a aucun mytho. Hein. Attends, hop, hop, comme ça. Regarde, je mets le point sur le bunker. Il est où? Il est là. Tu me donnes ton âge pendant que j'y vais. Et si des fois il n'y a pas, bah tant pis. Il n'y aura pas de bunker. C'est ça, exactement. C'est pas la fête. Horrible. C'est pas la fête du slip non plus. En plus, c'est des routes de merde pour aller là-bas, putain, au bunker. Comment ça? Parce que j'ai acheté le bunker le moins cher pour les glitches, mais si j'avais su, j'aurais jamais acheté celui-là. Quoi. C'est des routes de merde en petite ville, en petite campagne. Et sinon, après, Christine, si tu veux, hein, après, voilà, je t'oblige en rien, mais moi, je suis en Skype avec, avec Ryulf. Et si après, tu veux rejoindre le Skype, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. T'envoies en privé, pas de souci. Hakuna Matata, quoi. C'est ça. Mais ça peut être sympa, quoi. C'est vrai que, enfin, parler après à plusieurs, moi, c'est, enfin, moi, j'aime bien, mais... Ryulf aussi, il aime bien, donc... Il n'y aura pas de bunker, quel fait. Ah bah ok, bah je m'arrête alors. Je te jure. Voilà. N'importe quoi. Voilà. Je m'arrête là. T'as été suspendu pour, par Nightboot. Pourquoi? Alors attends, quelle connerie tu m'as fait là? Elle a dû marquer en majuscule, je pense. Non, elle a marqué pourquoi et après plein de chats. Ah ouais, trop d'émoticônes. Émoticône, ouais. Christine. Je te l'ai déjà dit, trop d'émoticônes, tu l'émoticônes. Donc Nightbeat, Nightboot, pardon, te kick. Non mais, en fait, je veux dire te kick, Nightboot, mais Nightboot te kick. Mais allez, hey, je vais être gentil, parce que c'est toi et que tu viens souvent sur mon live, je vais y aller. Même si j'ai pas ton âge, c'est pas grave. Parce que c'est toi. Non mais j'hallucine. Parce que c'est toi. Parce que c'est une fille, ouais. Hein? Moi ça serait moi, je ferais un live, moi il y aurait une fille, il y aurait pas de. Non mais toi t'es pas. Non mais toi t'es pas comme nous. Enfin, du moins. Enfin,
Enfin, du moins, tu n'es pas comme moi. Je veux dire comme nous parce que je connais pas Christine, mais t'es pas comme moi. Bah toi t'es hétéro et puis moi je suis gay quoi. Oui, non, mais enfin, je voulais pas le dire parce que Compliqué. voilà. Bah quoi? Non, mais je voulais pas le dire, même si je sais que tu t'en fous et que t'assumes, moi, c'est pas à moi de le dire, c'est. Je m'en bats les steaks, tu le sais très bien. Mais tu sais que je respecte ça aussi et que t'as des personnes Ah qui peuvent oui, non mal mais le bon, prendre, moi donc tu sais voilà, comment je suis, c'est. hein. Après, toi, tu veux assumer, tu le dis, c'est très bien. Moi, par contre, je dis pas quoi. Après, voilà, on peut Oh bah, déconner, on tu peut peux en le dire, rire. hein, ça me dérange pas. Hein. Non, non, mais comme je te disais, ben, après, on peut en rire, on peut en déconner quand on est entre nous. Après, voilà, s'il y a du monde, non, moi, après, je te respecte et je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Donc, je ne ferai Bah pas de après, vagues à ce s'ils aiment niveau-là, pas, quoi. ils aiment pas. Écoute, je vais pas changer de Oui, bien sûr. d'orientation sexuelle, comme on dit si bien, rien que Oui, non, pour leur mais. Oui, non, mais. plaisir, hein. Non mais voilà, non mais ce que je veux dire c'est qu'après c'est pas à moi de faire un choix entre guillemets quoi, voilà, c'est ça, c'est. Bah que ça leur plaise, moi tu le sais, hein, tu me connais, hein, moi Oui c'est mais comme ça toi que je c'est toi, fonctionne. oui mais toi c'est toi et moi c'est moi et comme tout à l'heure je disais encore, j'ai des principes, ça c'est un peu partie de mes principes où c'est pas encore rentré dans les mœurs entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais si, c'est rentré dans les mœurs, Momo, Que c'est rentré dalle. dans les mœurs, mais après c'est où ça accepte, où la personne accepte, où la personne n'accepte pas, après Alors, est-ce que l'extra-conjugal est dans les mœurs ou pas? Alors l'extra-conjugal, non, Tu ce n'est pas dans les mœurs parce que vois de quoi je veux parler? c'est immoral de faire ça à sa propre femme ou à son propre homme, hein, parce que ça peut être, si on dit l'homme va voir ailleurs, mais ça peut être la femme qui va voir ailleurs. Ah ben bien sûr, parce que l'adultère n'est pas que chez l'homme, hein, c'est sûr, hein, c'est clair, hein, Oui, c'est pour ça que c'est. je préfère préciser Oui, non que mais. après, voilà quoi. Mais non mais moi je suis assez respectueux à ce niveau-là et. Oh, il n'y a plus de trucs de Noël. De quoi il y a plus de nouvelles? Ils m'ont viré mon thème de Noël. Je fouillais, je C'est ballot? sérieux. Ouais, mais je suis obligé d'en trouver un et vu ce qu'ils proposent, il n'y a que chi. Ah. Bah, si tu veux, demain je peux aller acheter un déguisement. Hein. Et puis je fais une photo, je te l'envoie. Hein. Hein, je veux pas la mettre en photo d'écran. Pourquoi je suis pas beau? Bah, c'est pas une question que t'es pas beau, Momo. C'est que j'ai déjà vu assez d'horreur à l'armée, donc je vais pas en Espèce voir un en d'enfoiré, va. plus sur mon Putain, écran. elle t'a l'enfoiré, toi. Putain, la salope, celui-là. Oh la vache. Voilà, Christine, je suis arrivé au bon cœur. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu baisses ton pantalon. Et tous. Ah. Un petit DR. Et voilà. Eh ben on est bien là, dis donc. Stock zéro, recherche que dalle, matière que dalle, c'est bien. Ah, il fait même pas de recherche en plus ton truc? Ah non, bah ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ah si. Bah non, mais je l'ai fait sur la boîte, tu gaspilles de l'argent plus qu'autre chose. Tiens, je vais me fumer une petite cigarette, moi. Attends, je vais me la faire, j'arrive. Vas-y, vas-y. Yon, tu fumes beaucoup là ce soir, Momo, là. Oui, c'est vrai. C'est pas normal, ça. Mais bon, tu n'es pas ma mère. C'est pas faux. Je suis ni ton mec. C'est pas faux non plus. Mais bon. Et même si tu étais ma femme, ça serait Ouais, pareil. voilà, même si je suis. Je te dirais quand même, tu fais chier, tu pourrais quand même ralentir, merde. Oui, mais moi aussi je t'aime. Non mais Momo, c'est vrai, elle n'empêche. Moi, je commence à arrêter. Toi, tu avais commencé à ralentir. Pourquoi tu continues pas dans cette lancée? Alors, on en parlera, mais en perso. D'accord.
Mais là non, là faut que je fume là. Non, bah vas-y, fume, J'ai fume. trop de stress. Et vu que j'ai pas point S à côté. Bon, y a point. Ah, justement, je l'ai pas à côté. Bon, dis-moi Christine, je suis dans le bunker. Tu veux que je fasse quoi? Et Christine, c'est quoi ton âge? C'est l'enfoiré qui remet ça dans le C'est tapis. ça. Tiens, Christine, regarde. Christine, regarde le live, regarde. Je te fais un petit bonjour. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah, c'est ça. Bah là, je fais rien, là, je suis en PLS. Ah, t'as mis le lac derrière, non? Ah, Ouais, c'est trop fort? non, enfin, je l'ai entendu, mais vraiment très très peu, hein, parce que j'ai vraiment Ouais, pas c'est parce que fait je me suis attention, rien. rapproché de la tablette, c'est pour ça. D'accord. Parce que vu que je me suis rapproché un peu de la tablette, bah, du coup. Bah, comme ça, au moins, j'entends le retour s'il y a un problème sur le vocal ou autre. Bon, normalement, il n'y a pas besoin, mais enfin, il n'y a pas Ouais, je de. sais, mais c'est toujours. Ça a toujours été comme ça, j'ai toujours vérifié en fait. Non, je sais, mais non, mais normalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de soucis. Bon, attends, du coup, j'ai Tarder refait de ma contrôle. liste. À chaque fois, je me gourde de tout, je bordel. Et il est minuit ou moins le quart, ouais. Déjà? Ouais. Non, il est 23h46. Putain, tu m'as fait peur. Alors, entre minuit ou moins le quart et 23h46, à une minute C'est près, pareil. tu me donneras la différence, hein, parce que là, franchement, s'il y en a une, à une minute près, je veux plus Ben non, il savoir. n'y a pas vraiment de différence, mais parce que moi je me lève à 4h, moi. Alors moi, je me lève à 7h. Ouais, mais bon, moi il faut que je sois raisonnable. Vu que je reprends le taf, il faut que je Ah sois bah moi non en peut-être. forme, Ah bah quoi. moi non. C'est vrai que moi je peux arriver déchiré, quoi. Bah après, toi, tu fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. En affrontant, je pense, mon chef demain matin, ouais, t'as raison. Ouais, c'est clair. En sachant que toi, t'es plus dans la merde que moi. Non, mais moi je suis pas dans la merde, moi, t'inquiète. Hein. Non, mais au sens Oh, figuré, c'est ça que tu veux dire. T'inquiète. Hein. Au sens figuré, c'est vrai que toi, t'es un peu dans la mouise, on va dire. En Après, ayant grillé ton patron, quoi. c'est comme on dit, voilà, faut savoir être discret. Hein. Oui, tu me diras, c'est de sa faute, hein. Il avait qu'à être discret, et puis voilà, quoi. C'est un peu. Toi, tu y es pour rien, quoi. Ah bah non. Tu l'as surpris. Moi je suis les yeux et les oreilles, donc voilà, c'est tout après. Ouais, c'est ça. En fait, t'es tombé au moment où il fallait pas. Ah bah. T'as pas eu de bol. C'est ballot quand même. Ouais, tu sais, moi après je m'en fous, Ouais, non, mais bon, je m'en on fous, quoi. verra demain et puis je te dirai. Ouais, bah tu me raconteras ça. Bon, en espérant qu'il n'y a pas le pire, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi. Bah, après, moi je te cache pas que s'il y a moyen avec ça de mettre une cartouche à sa femme, Ah je le fais non, non, pas. évite, ça pue, ça c'est encore pire, Momo. Et alors, attends, j'y mets un Je coup, sais j'y que mets t'as un la coup. dalle, mais il y a des limites quand même, Momo. Non, 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 évite de faire des conneries pareilles. Ça, Non, et par c'est un contre, coup à toi. par Non, contre, arrête tes conneries, ça et suffit. sur mon live, tu dis pas de conneries, j'ai pas la dalle. J'ai un peu faim, mais j'ai pas la dalle. Pas pareil. Bah, il faut pas que t'ailles dans l'extrême, vouloir déjà grimper la patronne. C'est Quoi, la pas femme de la là-bas. patronne, quoi. Bah et alors? Il n'y a pas de balle à sortir bien, hein, ce qui paraît. Oui, non, mais je dis pas le contraire, Momo, mais non, mais évite.
Et ça pue du cul, tout ça, je te l'ai déjà dit. C'est pas bon. Expérience, écoute sur mes expériences. Non, non, évite de faire des conneries pareilles. Mais moi, C'est un coup à te. et moi, tant qu'il y a un trou et que ça pue, hein, j'y vais. Ouais, Non, non, il je faut voir déconne, je ça comme déconne. ça, Non, non, je ouais, mais déconne, je bon. déconne. Bon, Mais bon, il y a personne. si ça pue, c'est qu'il y a un souci aussi, tu me diras. Mais bon. Ah oui, mais bon, voilà, après c'est sa vie, hein, c'est pas la mienne. Ouais, bon, après, si t'es passé là-dedans, t'as intérêt à te laver de fond en comble, mais tu prends la javel, hein, moi je te le conseille, hein. Ah bah même la caméra à curée. Ouais, la crème à récurer, ça risque de brûler le gland, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est rien. Et tu sais que il y a un truc qui m'arrête. Ouais, non, 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 on est en live, je peux pas le Bah, dire. ça dépend ce que t'allais Non, dire. non, 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 je peux pas, je peux pas. Mais méfiance quand même. Bon. Ah si, attends, je peux faire un truc, attends. Attends. Et je vais tester un truc. Là. Qui que tu es? Il faut le faire quand même, mais Ouais, bon. faut le faire. Non, Bah, faut le faire pour le savoir, quoi. Voilà. tu m'aurais dit, je te l'aurais dit. Oui, C'est comme bah. si, voilà, c'est pour une plaie, c'est kiff-kiff, quoi. Donc voilà quoi. Ouais, carrément. Si ça picote pour une plaie, c'est pas pour rien, hein. Ah bah. Là, il y a plus que picoté, hein, quand même. En plus, le liquide pour les mains là, que t'as utilisé, il était à combien? Parce que t'as 80. une dose en fait. Non, 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 c'est un flacon que j'avais. Ouais, mais le taux d'alcool Alors moi, désinfectant, il était à combien? vu la brûlure que j'avais eue à la main, j'étais pratiquement brûlé au troisième degré. Donc je sais pas combien ça fait, mais c'était énorme. Ah oui, c'est énorme, rien, mais enfin. Mais je m'en Non, rappelle, hein. Rien que la main, je m'en rappelle très bien. même moi, j'oserais même pas faire ça, tu Je sais pas si je peux retrouver. Attends. Et je vais essayer de retrouver la vidéo, mais je crois pas. De quoi? Mais non, mais tu me les as fait voir. De la main? Ouais, Ah d'accord, les ok. brûlures. D'accord. Ah oui, ouais. Bon, du coup, là, on se fait chier un peu sur GTA. Hein. Arrête de fumer, toi. Tu vas me donner envie après. Moi, c'est la cigarette électronique.
Ouais, Achète-toi les œufs en une. Eh, ça pourrait te permettre de ralentir aussi, hein. Ouais, mais je suis pas motivé. Comme je t'ai dit, on en parlera, mais... Ouais, je sais, mais bon, après, c'est sur un... sur le coup. Au début, tu sais, vu que c'est la première fois que tu testes sur une cigarette électronique, tu tousses. Non, ça, j'ai déjà fait, et non, enfin, moi, ça m'est pas arrivé, mais... Bah moi, je te jure, tu fais sur la mienne. Vu que j'ai changé de vapote. Déjà? Et bah ouais, j'en ai racheté une nouvelle. Ah oui, mais enfin, oui, d'accord, oui. J'ai racheté une nouvelle vapote, en fait. Non, non, mais je croyais que tu avais changé là de produit donc, depuis aujourd'hui avec le... Ah oui, avec bah le... oui, j'ai acheté le produit qui va avec. Là, c'est plus des mèches que j'ai, c'est une résistance complète. Ouais. Bah, elle est. Bah, elle m'a pas coûté cher. Elle m'a. En tout et pour tout, ça m'est revenu à 36 euros. Avec la cigarette électronique. Eh, Rulf, regarde là. Regarde, il bande. Regarde, il bande. Regarde, il bande. N'importe. Et regarde! Hop là, ça monte, ça descend! Oh putain, je suis frais, moi encore! Oh. Je reviens, Kelly! Vas-y, Christine! Eh ben, je pense que t'as dû bien te marrer, mais tout à l'heure, tu parlais pas! Et je crois que t'étais parti, moi, Christine! Et donc, du coup, j'ai été à mon bunker pour rien, quoi! Voilà! Ben ouais! Parce que du Merci coup elle te dit va sur ton bunker mais la vilaine. Oh y'a un mec qui a une prime là-bas. Ah je suis en passif. Attends, il est où le mec? Ah il avance. Putain, t'as de la purée de poids mais grave quoi, je la trouve plus épaisse que qu'avant la purée de poids. Non non c'est pareil. C'est pareil? Oh ouais, c'est pareil, ouais. Putain, je la voyais moins sombre que ça, en fait. Ah non, ça fait pareil. Comme si que c'était... bah, comme si que c'était un vrai brouillard, quoi, en fait. Ah, mais c'est du brouillard, hein. Ah oui, non, mais je dis pas, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la purée de poils. Mais... pourtant, je suis sur la console à mon frère, quand il joue à GTA, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi aussi brusailleux que ça. Oh là, t'as pu, toi, tu vas carrément au lance-roquette. J'ai pas le temps. Là. C'est quoi que tu fais? Ah, s'il est dans son bunker, t'as du courage, toi. Ah non, c'est bon, il est mort. Il était dans son camion, non? Ah l'enculé, il est sorti entre temps. Ah l'enculé. Mais je te l'ai dit, je m'en doutais. Je m'en doutais qu'il allait te buter. Je t'avais dit qu'il était dans son bunker et que s'il sort. Non, le PNJ, dégage. Et tiens là, putain! C'est peut-être mis en passif. Est... Non, 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 il veut pas. Par contre, je vais me faire tuer par les flics, moi. Oh, l'enculé, oh le. Bah alors, Momo, qu'est-ce qui t'arrive, ton ratio? Je m'en fous du ratio, alors là, franchement. De
2-0. Enfoiré. Dis-lui, laisse-toi te buter, t'as une prime. J'ai besoin d'argent. Oh, il a mis des mines. Oh, il a mis des mines. Oh, l'enfoiré. Le salaud. Ah, ah putain, par contre, j'ai que ça, ouais. Petit joueur, moi, je lui dirais. Ouais. Tu veux le faire au lance-roquette? Non, non. Oh mais il est mort. J'espère que t'as eu la prime. Non, 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 c'est les flics qui t'ont tué. Oh mais... Non mais de toute façon, bouge pas. Mais il a toujours la prime même si c'est les flics qui le tuent. Ouais, ouais. Oh ça va alors. Il est où cet enfoiré là? Ouais, t'as raison, casse-toi. Déjà, je lui ai mis une balle. Ah, mais les flics, ouais, putain. C'est ce que mais... j'ai vu, ouais. Ils nous cassent les couilles, les flics, là. Dégage, toi, connard. Oh, putain, flic de merde. Ils me cassent les couilles, ces flics. Hein. Sérieux, sur GTA, les flics... Allez, il est encore mort avec les flics. Ouais, il va respawner sur la plage. Non, sur la route. Oh bah ça va. Ah enfin, ça va, ouais, enfin, vite fait quoi. Au snipe, tu devrais. Il a quitté la session. Ah non, il est dans son PC. Ah, j'ai plus de munitions. Allez, c'est ballot. Non, c'est dans inventaire, munitions. Ah, parce que tu peux en acheter comme ça, toi. Ouais. T'es pas obligé d'aller dans le magasin. Ah non. Oh, c'est cool. Ah oh, putain, il s'est mis derrière. Oh le. Je suis pas sûr que t'arrives à l'avoir. Hein. T'inquiète, t'inquiète, je vais l'avoir. Ah, je le vois tirer. Mais il est pas mal son camion quand même. Ben j'avais le même à l'époque sur la One, mais
Mais là, s'il est dans son camtar, là, tu pourras pas l'avoir, là, si, puisqu'il est Si, quand même si. blindé, le bordel. T'inquiète. Hop là, il est mort. Ah bah t'as reçu la prime alors. Bah le camion est mort, lui après. Ah non, lui, oh, il est parti avant, cet enfoiré. Bah ouais, je m'en doutais un peu. C'est bon, il est mort, je l'ai eu. Ah bah cool. Eh bah voilà. Il avait que 1 000 $ en prime. Bah putain. Ça valait pas le coup. Oh bah bravo, ouais. Ça vaut vraiment pas le coup, ouais. Ah bah 1 000 $, non, c'est clair. Tu t'es fait sweep pour rien en plus. C'est clair. Puis en plus, tu voles un quième, toi. Bah bien sûr, j'ai pas le temps, moi. En voilà l'amende que tu vas te payer. Mais non, t'inquiète, regarde. Tu vas pas te prendre une amende pour vol de véhicule? Non. Non, par contre, il y a un mec qui en arrive en chasse là, par contre. Ouh là là, ouais. Ah, je pense qu'il y en a un qui a mis une prime sur ta gueule. Non, 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 mais là, c'est uniquement un arrive en chasse, hein, donc regarde. Moi, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Hop là, voilà. Ah, mais c'était des PNJ qui étaient en avion de chasse. Non, 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 c'est un joueur. Bon, Momo, je vais te laisser parce que là, je suis en train de regarder l'heure. Là. Ah ouais, minuit 6, quoi. Ouais, bah moi, c'est pareil, ouais. Je vais rater le live. Il me reste pas beaucoup de temps pour faire dodo. Ouais. Je vais essayer de dormir 1 heure ou 2, histoire de... Mais je te fais des gros bisous, mon petit maman. Ouais, ça marche, ouais, bisous aussi. Bah, du coup, bah, donc j'arrête le live. Donc, merci à tous d'être venus. Merci, mon petit Riulf. Et moi, on je te dit prie, à la prochaine. Bisous, ciao. Ciao à tous.